dewa belemba ukwalisa nemba seto temenemba okonangeya dokumatande longela so yetenamba abodi bobe belemba bolangwimba seto janemba otete na makomongo Satande lungela su Aye balei Tukwa begumo Punjani andulo Yete namba Na bodibobe Elemba ukwali sanemba Seto temelemba Umboko mungo mwalokoe Loku watande bisona wa Ate mbale Esoka ya mumi na mtu Yepone wa sanga Lame mato yosie Makombo Misima kusa mungina Ok, bonjour monsieur et dame. Je suis monsieur Jean-Jacques Mwande Yeyu, organisateur du colloque international sur la sécurité et la sûreté qui se déroule aujourd'hui le 2 août à la salle Cypresse Fikir de l'hôtel Campanile, porte d'Italie. C'est une journée qui est à la fois mémorable et symbolique pour moi parce qu'elle est le reflet d'un nouveau départ. Et je sais que la journée s'annonce bien, je me sens tout simplement comme un boxeur qui doit monter dans un ring. J'appréhende un peu les choses, mais je suis sûr et certain que le Dieu Tout-Puissant qui est là tout haut, il va faire de telle en sorte que ce soit une très belle journée parce que c'est le pilier sur lequel repose toute notre vie. Et pour mon équilibre, quand je regarde ce monsieur qui est là, j'aurais tellement voulu l'honorer, qui est mon feu père. Ce beau tableau que j'ai fait pour lui, tu m'as donné la vie, pour cela je te dis merci, tu es parti vers l'horizon, vers l'oubli, mais dans mon cœur, tu vis. Je sais qu'il est auprès de moi aujourd'hui et il me soutiendra. Ok, merci. Pensez tout côté mon gel et mon go Anonymouna Antebana Matiawa Tebana Yenai Et Sukaya Moumina Matoye Pone Wassan La Mbe Matoye Senge Ici ma poussa Pouti Pensez tout côté mon gel et mon go Anonymouna Balei Antebana Matiawa Tikandolo, tikandolo, eh, benene noa Mule mambo, napulinde nana wase Sone bolo, fanite Tikandolo, 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 tikindolo, eh, benene noa Mule mambo Napolinde nana wase Sune bolo vanite Magio weni sane Nakwali sane nomo Napolinde nana timbe Nindenga mwenye kumbo Amene modi adiwe Jongele yiperaswe Nanongi nobuna Tikando
candolo ti candolo ti kindolo e a benene no magi candolo ye vole mambo na puli de nana wase depende marigo vanite baso no ni onge ya timba e nyoro ni se pelo mi anima mata o na boma ne no magi Nadia, Mumino Pepe, Cachere, Vanité. Vous savez que nous sommes là pour un colloque international. Avant de commencer déjà, je veux m'excuser au nom de l'organisateur et de toute l'équipe organisationnelle des quelques minutes de retard qui ont été prises et qui sont indépendantes de la bonne volonté de l'organisateur principal. Alors, comme vous le savez si bien, nous sommes là pour un colloque international intitulé comme suit « L'information, la culture et la formation comme socle de la sécurité et de la sûreté ». Alors, je vais commencer par vous présenter les intervenants qui sont sur l'estrade. Monsieur Alix Duchayet, qui est directeur de JJL&Co, qui est là. Donc, je ne sais pas s'il est d'usage de les applaudir avant de commencer, mais à la limite, je vais vous demander de les applaudir avant de commencer. Je pense que ça détend un tout petit peu l'atmosphère et puis ça va leur mettre dans des conditions idéales et adéquates pour commencer. Donc, on ne va pas aller très très loin. Il y a un discours de bienvenue aux participants qui est prévu. Jacques m'a informé de son projet, c'est un projet porteur, et en plus il a vu loin, donc c'est essayer de faire quelque chose pour l'Afrique, essayer d'aller former les gens sur le terrain en Afrique, et Dieu seul sait, quand on fait le tour en Afrique, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de valoriser ce projet là-bas, et donc ce travail là-bas, de tout ce qui touche à la sécurité, à la formation et à la sûreté, on a besoin de formation sur le terrain. Donc je pense que je voudrais d'abord le féliciter, et l'encourager dans cette voie ô combien difficile qu'il a choisi, parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur en France ici et de surcroît d'avoir des projets sur l'Afrique où certes c'est le continent de l'avenir, mais il y a beaucoup à faire. Donc, qu'est-ce que je dirais, je dirais bon colloque et qu'à l'issue de ce dernier, nous puissions partir d'ici avec de très bonnes résolutions et cette réelle envie de vouloir faire quelque chose et pour notre continent. Bon, je tiens quand même à vous présenter les excuses de l'ambassadeur du Tchad qui devait être ici aujourd'hui, qui malheureusement, pour des problèmes de santé, n'a pas pu faire le déplacement. Alors, donc, je laisse la parole et donc, aux intervenants. Merci. Merci de bien vouloir applaudir. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé, c'est les choses improvisées qui sont toujours les meilleures. Merci, monsieur. Alors, le premier débat, tout du moins la première intervention de la journée, porte sur ce thème. L'impact des cultures sur l'évolution des métiers, de la sécurité et de la sûreté. Je vais laisser la parole à monsieur le directeur du STIF, S-E-I-D-F, monsieur Alix Duchesne. Souvent une tonnerre d'applaudissements sur vous. Remercier monsieur France, comme vient de vous dire l'interlocuteur précédent, peut amener des tas de choses. Des tas de choses parce que j'ai vécu, et ça va être mon propos suivant, j'ai vécu dans une carrière militaire, mais également dans une carrière civile, et j'ai travaillé autant dans des pays étrangers que sur la France. Pays étrangers, notamment, je voudrais parler du Niger, où je suis intervenu par un peu de voix, puisque j'avais un ami qui était à une époque président de ce pays. Et là-bas aussi, j'ai vu les problèmes qui étaient liés à la sécurité. Bien évidemment, on peut voir que dans tous les pays, la sécurité est souvent... La sécurité, c'est ce qui englobe l'ensemble des missions qui sont celles de lutter contre le risque d'incendie. La sûreté, c'est beaucoup plus de la malveillance. Les gens qui viennent pour du larcin
qui viennent pour casser, qui viennent pour s'introduire dans des endroits où ils ne sont pas désirés, où ils n'ont pas le droit d'entrer. En 25 ans, les métiers du tertiaire sont ceux qui ont le plus évolué. Ils ont contribué à la croissance de l'emploi. Et la hausse des diplômes a transformé les normes de qualification. Et les qualifications requises pour travailler dans les métiers de la sécurité sont de plus en plus importantes. Et que ce soit, encore une fois, je vous répète, dans un pays ou dans un autre. Je vais donc prendre pour exemple la France, avec la façon dont elle a géré et dont elle continue de gérer les problèmes sécuritaires, sachant que ce modèle peut s'exporter partout. Nous avons exporté notre modèle administratif et il a été conservé partout où nous avons passé. Il y a une raison, c'est que ce modèle administratif était certainement intéressant et qu'il fallait le conserver, il y avait un intérêt. La volonté de l'homme en matière de sécurité et de sûreté est d'acquérir, améliorer ses capacités pour protéger les personnes, les biens, le patrimoine industriel, et l'homme ne doit pas se satisfaire d'une vague résolution en la matière. Donc, chacune de ces deux forces ont des missions qui sont de la sécurité, de la tranquillité publique, de la police administrative, de la police judiciaire, pour la gendarmerie, de la police militaire. Au fil du temps, là aussi, on a vu un besoin nouveau naissant. Il a fallu créer des unités nouvelles qui ont des spécificités et peuvent intervenir avec des problèmes nouveaux liés à la vie qui évolue, liés aux professions nouvelles, liées à la vie nouvelle, liées au fait que les gens se déplacent, ne restent plus sédentaires comme avant, et puis pour une carrière, on va d'un endroit à un autre. Tout cela, ça crée des problèmes de sécurité, il faut les gérer. Il y a donc eu des unités qui ont été créées, telles des unités de recherche, parce qu'il fallait se spécialiser. On a créé également des unités de surveillance, qui ont une mission bien particulière, des unités d'intervention, des unités maintenant qui vont jusqu'avec la technologie moderne, des unités de police scientifique. Ensuite, il y a des choses qui, avec l'évolution technologique et l'évolution des mœurs, les gens voyageant de plus en plus, ils ont été amenés à emprunter des transports de façon à pouvoir se rendre d'un point à l'autre, des transports en commun. Dans ces transports en commun, on n'a pas tardé rapidement à découvrir qu'il y avait des gens qui venaient là-dedans uniquement pour ennuyer les passagers qui étaient là tout à fait normalement et qui utilisaient ce transport de manière normale, j'allais dire en bon père de famille. Mais il y avait aussi des gens qui étaient là pour les rançonner, pour les agresser, pour empêcher les gens de vivre normalement. On s'est ému de cette situation. Le gouvernement a demandé à la SNCF de faire quelque chose. Et à l'époque, la SNCF a créé un corps spécifique, civil, qui va s'occuper de ce problème de transport. C'est ce qu'on appelle la SUGE. Ensuite, nous avons une dernière force qui est une force de police municipale. La police municipale qui est une force gérée uniquement par le maire. C'est un élu. C'est un élu, mais par le fait qu'il est élu, il a des pouvoirs d'officier de police judiciaire. Et le code des communes lui permet, s'il en a besoin, d'avoir et de mettre en place une police qui est sa police, qui n'agit que sur le territoire de la commune et qui va, elle, intervenir sur des sorties d'école, sur des fêtes communales, sur des tas de choses qui sont à l'échelon de la commune. Comme je vous disais, chez la sécurité, que ce soit partout, que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel pays du monde, la sécurité ne prend réellement sa valeur qu'après qu'il y ait eu un méfait, qu'après qu'il y ait eu une enquête sur ce méfait, qu'après que cette enquête ait montré qu'il y avait des failles,
et qu'après que les autorités disent, eh bien, c'est faille, il faut trouver un moyen pour que ça ne se reproduise plus. À Paris, par exemple, en 1996, il y a eu un incendie. Je pense que beaucoup de gens ici se souviennent de cela. C'est un immeuble haussmannien qui est parti en fumée et il a quitté le Crédit Lyonnais. L'enquête qui a suivi cet incendie a montré qu'il y avait de graves incohérences dans l'organisation et qu'il y avait aussi des dispositions impératives à prendre si on voulait que des faits comme celui-là ne se reproduisent plus. Cette même année, on a dénombré 278 dépôts de bilan directement liés à des problèmes sécuritaires. Parallèlement à cela, 4335 pertes d'emplois consécutives à ces dépôts de bilan, plusieurs millions d'euros de préjudices. On peut dire que l'interface entre la technologie développée par l'homme pour son confort ou accroître la productivité débouche sur l'apparition de nouveaux risques que nous ne pouvons méconnaître et qui doivent être maîtrisés. On perçoit immédiatement que la sécurité privée est une profession à part entière et que, comme toute profession, elle doit s'apprendre. Face aux risques, le législateur a mis des obligations. Des obligations nouvelles telles le classement des bâtiments. Les bâtiments qui reçoivent du public ont des règles sécuritaires à respecter en fonction du... En cette période de morosité économique, de risque d'attentat, voilà des arguments de taille dont peuvent se prévaloir les véritables professionnels de la sécurité, c'est-à-dire des hommes, des femmes, qui ne font pas de leur métier une aventure, mais qui ont reçu une formation digne de ce nom. Tout au long de mon témoignage, vous avez dû ressentir que c'est en fonction d'événements, des besoins qui ont été identifiés, des actions et des règlements ont été mis en place pour pallier les problèmes de façon à prévenir les risques d'incendie. Il faudrait maintenant que l'on passe à une vitesse supérieure. Maintenant que l'on a des gens qui sont là, qui sont responsables, qui connaissent, que ces gens-là, bien avant de dire on va faire ceci ou on va faire cela, de dire voilà comment, en fonction de telle évolution, comment on va régler les problèmes sécuritaires liés à cette révolution. Voilà, j'en ai terminé parce que je sais que on est un peu pressé, on a pris un peu de retard, l'organisation c'est pas facile, n'est-ce pas Jean-Pierre? Donc j'en ai terminé, je serai à votre disposition à l'issue des différents témoignages pour répondre à vos questions, s'il y en a. Je vous remercie. Merci. Alors, à la fin de chaque intervention, Klein va nous mettre une bouteille très claire. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième intervenant qui s'appelle M. Gilles Romeux, directeur GRA consultant, qui va nous parler de l'information dans la sécurisation des manifestations sportives, culturelles et récréatives. Et je pense que ça va en intéresser pas mal ici. Monsieur Gilles, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'adresserai mes premiers mots de remerciement à M. Mouandé qui a eu la gentillesse de m'inviter sur ce colloque. Nous étions rencontrés sur une formation qu'on avait fait ensemble. Je suis ex-commandant de la police nationale. Je dis ex parce que j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite. Et donc j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle donc GR Consultant, qui est spécialisé dans le domaine de la sécurité. Alors dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler, d'intervenir et de mettre en place des dispositifs de sécurité dans des grandes manifestations sportives, tels que le championnat d'Europe de football organisé en France en 84, la Coupe du monde de football en 98. J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur des manifestations culturelles telles que le Festival du film à Cannes, la protection d'artistes et également sur l'organisation des grands concerts. Dans cette expérience, j'ai pu constater une chose, c'est que
Moi, j'intervenais bien entendu en tant qu'officier de police au sein de la police nationale, qui est une des composantes, mais la deuxième composante, et qui est la composante essentielle, c'est la sécurité privée. Donc, l'objectif de tout organisateur de manifestation, je répète qu'elle soit récréative, culturelle ou sportive, c'est de connaître le cadre juridique qui se doit de respecter. Alors déjà, ça commence par connaître l'établissement dans lequel on va intervenir, c'est-à-dire quelle est la catégorie de l'établissement, quelle est la législation propre à cet établissement. Vous savez qu'en France, la législation sur les ERP, les établissements recevant du public, est une législation assez compliquée et en tout cas très précise. C'est-à-dire chaque catégorie d'établissement a sa propre législation. Alors il y a des textes communs, bien entendu, mais il y a des particularités selon qu'on intervienne dans un stade de plein air, dans un stade couvert, ou que l'on intervienne dans une salle de concert. La législation est différente et les obligations, par nature, sont différentes. Donc l'organisateur, il se doit de connaître ce cadre juridique. Il devra être en mesure de faire une déclaration de manifestation dès lors que la manifestation est susceptible d'accueillir plus de 1500 personnes. L'organisateur privé a l'obligation de faire cette déclaration de manifestation qui est adressée au maire de la commune où se situe l'établissement ou au préfet de police dans les grands centres urbains tels que Paris, Lyon, Marseille et Lille notamment. Donc dans cette déclaration de manifestation, c'est un acte très important puisque par ce document, l'organisateur s'engage à mettre en place un certain nombre de moyens matériels, de moyens humains. Et le jour de la manifestation, il faudra bien entendu que ce soit de la réalité, c'est-à-dire toutes les mesures, tous les moyens qui sont annoncés dans cette déclaration, il faudra que, en cas de contrôle ou en cas de problème, en cas d'incident, il y aura une enquête judiciaire, une enquête administrative, et là on devra retrouver l'intégralité des moyens qui ont été annoncés dans cette déclaration de manifestation. L'organisateur privé devra aussi être en mesure d'identifier, connaître sa manifestation, d'être en mesure d'identifier les risques inhérents à cette manifestation, c'est-à-dire la taille de la manifestation, dans quel établissement je me trouve, quel est le public que j'attends, quelle est l'affluence que j'attends, quelle est la typologie du public, est-ce que c'est selon la manifestation que j'organise, est-ce que c'est un public tranquille, est-ce que c'est un public difficile, est-ce que c'est un public turbulent, est-ce que c'est un public à risque. Tout ça, c'est des éléments d'émergence de risque que l'organisateur devra prendre en compte. En tant qu'organisateur, je dois mettre en face, pour réaliser mon dispositif, je dois mettre en place des moyens suffisants au point de vue matériel et au point de vue personnel. Si je mets un dispositif qui est minoré par rapport à l'importance qu'il aurait dû prendre, il faut prier pour qu'il n'y ait pas d'incident. S'il n'y a pas d'incident, ça passera comme ça, hein, Dieu merci. Et s'il y a un incident quelconque, un spectateur qui va être blessé, un participant qui va être blessé, qui va donc intenter la moindre action contre l'organisateur, ben là il y a une enquête qui va se déclencher, et là, le rôle de l'autorité publique, au vu de la déclaration que vous aurez faite, va évaluer, dans le cadre de l'enquête, va évaluer si vous avez mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la manifestation. Si ce n'est pas le cas, ben là, l'organisateur s'expose à engager sa responsabilité civile. Je reviens d'un mot sur la déclaration de manifestation. Je répète volontairement que c'est un document extrêmement important puisque c'est un document qui vous engage contractuellement avec l'autorité publique, donc d'où l'importance de bien savoir rédiger ce document. Ça fait partie de la formation qu'on peut dispenser aussi aux organisateurs de manifestations. Les conséquences, je les répète aussi, hein, parce que c'est important, les conséquences de l'inobservation de cette réglementation, qui, je le répète, est très difficile et très compliquée à assimiler, parce qu'elle est très, je répète, elle est très diverse. Les conséquences, eh bien, c'est là, je l'ai dit, je le répète volontairement, la responsabilité pénale, la responsabilité civile qui peut être engagée pour l'organisateur et pour un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui. Alors ensuite, quelques démarches annexes que l'organisateur se doit de faire. L'avis au service de police ou de gendarmerie, c'est-à-dire qu'il faut toujours
Bien sûr, elle est faite par le biais de la déclaration d'attestation, mais ça n'empêche pas l'organisateur de faire un mail maintenant ou un courrier au commissaire de police ou au commandant de la brigade de gendarmerie locale pour l'informer, au-delà même des détails techniques qui sont contenus dans la déclaration d'attestation, pour l'informer comme ça de manière rapide. De la tenue de telle manifestation, tel jour, à telle heure, dans telle enceinte, de façon à ce que le responsable de la police ou de la gendarmerie ait déjà cette manifestation en tête et qu'il puisse prévoir peut-être d'acheminer des renforts au cas où on en aurait besoin. La conformité de la billetterie, c'est en tout cas dans certains types de spectacles, notamment les matchs de football, où vous avez des groupes de supporters qui sont antagonistes, hein, vous voyez ça à la télévision. La vente, les conditions de vente de la billetterie sont très importantes. C'est une billetterie. La billetterie, c'est un élément de la sécurité, hein, en amont de la manifestation. Si la billetterie est mal éditée et si elle est distribuée, elle est vendue n'importe comment, c'est catastrophique. Dans certaines manifestations, c'est catastrophique pour la sécurité même de cette manifestation. Particularité sur les spectacles, sur les concerts, notamment les démarches relatives à ce qu'on appelle donc les droits d'auteur, hein, c'est-à-dire les déclarations SACEM, etc. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Autre chose très importante aussi, l'assurance responsabilité. Hein, bien, quand vous êtes organisateur, vous avez de lourdes choses qui pèsent sur vos têtes. Hein, n'oubliez pas de vous assurer correctement. Ensuite, je reviens sur la mise en place de ce fameux service d'ordre que vous devez connaître. Hein. Bon, le risque, on en a parlé, le management de ces risques. La gestion opérationnelle de ce dispositif de sécurité, il existe avec un nombre de personnels défini, mais il est important qu'au cours de la manifestation, l'organisateur, ou en tout cas son prestataire de sécurité, ait la capacité de faire ce qu'on appelle de faire coulisser ce dispositif. C'est-à-dire, dans une manifestation, il y a des moments forts. Dans un match de football, il y a l'arrivée des joueurs. Il y a ensuite, à la fin du match, à la mi-temps, autour des buvettes, etc., sont des points clés qu'il faut bien cibler. Donc, être capable, quand on parle de gestion opérationnelle, être capable de faire évoluer ces dispositifs. Et non pas de trouver ce qu'on voit quelquefois, c'est-à-dire un dispositif de type sac de sable, hein, c'est-à-dire je pose un agent là devant la porte, et puis il ne bouge plus, et quoi qu'il se passe, on lui a dit de rester devant la porte, il va rester devant la porte. Alors qu'il se passe un truc un peu plus important, 3 mètres à côté de lui. Voilà. La sécurité passive, hein, alors qu'est-ce que la sécurité passive? C'est tout ce qui relève de la structure de l'établissement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau cheminement, au niveau fléchage, au niveau panoptique, au niveau barriérage, pour pouvoir canaliser, orienter le spectateur, s'assurer que les sorties de secours existent déjà, hein, qu'elles puissent être activées tout de suite. Il doit y avoir un plan d'évacuation de l'établissement, le connaître, hein, déjà s'assurer qu'il existe, c'est pas toujours le cas, et quand il existe, et bien, le porter à la connaissance des gens qui sont censés l'appliquer en cas de problème. Ça, c'est la sécurité passive, c'est-à-dire tout ce qui est toute sa structure. À côté de ça, la sécurité active, c'est-à-dire là, on est dans l'humain, c'est-à-dire là, c'est la gestion du personnel, c'est le nombre de personnels de sécurité qu'on va mettre en place, où on va les mettre en place, quelles consignes on va leur donner, comment on va les faire évoluer, avec les trois phases de la manifestation, avant, pendant et après. Tout ça, c'est la sécurité active, c'est-à-dire qu'on est dans l'humain, on est dans la gestion de l'humain. Et c'est quelque chose de très important. Et donc, tout ça, cumulé, fait qu'on est capable d'animer, de mettre en place un service d'ordre. On est capable de l'animer et surtout de faire face à des situations peut-être qu'on n'avait pas prévues, des situations qui sont nouvelles, qui sont inédites dans ce type de manifestation. Et le propre d'un service d'ordre efficace, c'est de pouvoir anticiper, de pouvoir essayer d'anticiper les choses. C'est pas toujours possible, mais quand on le peut, il est important de pouvoir anticiper ces problèmes-là. Une particularité du dispositif qui est mis en place, c'est à l'entrée de certaines manifestations, la palpation de sécurité qui a évolué, qui correspond à des références juridiques précises, jusqu'à une loi de mars 2011
le seuil à partir duquel vous deux, l'organisateur devait mettre en place une bonne patience, c'était 1500 personnes. Ce seuil, il a été abaissé à 300 personnes, hein, à 300 spectateurs. Donc ça change considérablement les choses, puisque ça fait rentrer dans cette obligation-là les petites manifestations, notamment toutes celles qui concernent le sport amateur, qui n'étaient pas ou peu concernées jusqu'à présent quand la barre était à hauteur de 1500 spectateurs. Maintenant, à partir de 300 spectateurs, c'est certain que là, c'est un marché qui s'ouvre pour la sécurité privée, puisque c'est cette obligation de moyens, hein, que l'organisateur se doit de mettre en place à partir de 300 spectateurs. Bon, ça, c'est très important. Ça correspond, je l'ai dit, à une législation qui est particulière, c'est-à-dire que quand l'organisateur privé fait appel à un prestataire de sécurité privée, il doit s'assurer que les gens qui sont mis à disposition, les agents de sécurité qui sont mis à disposition pour effectuer cette palpation de sécurité, soient bien titulaires d'un agrément qui leur est propre, d'un agrément nominatif.